Hello chevier sa kafet, c'est un plaisir pour me connecter à vous. Bienvenue dans la formation Paul, entrepreneuriat et création d'entreprise. Formation ça, c'est initiative SafeTech, centre de formation entrepreneuriale et technologique d'Haïti. Et bienvenue dans la classe Paul. Si vous appréciez le travail nous, pas oublier abonner avec Chanel Noir. Une mission SafeTech, centre de formation entrepreneuriale et technologique d'Haïti, c'est créer une classe d'entrepreneurs à succès en Haïti. Mais avant tout, moi je voulais féliciter parce que vous décidez de passer à l'action. Passer à l'action, c'est le propre de l'entrepreneur. Ça va pas être rien si vous avez une idée, une belle idée, mais on pas passer à l'action. Ça va pas être rien si vous avez un pile ressources humaines et financières, mais on pas passer à l'action ou pas mobiliser ressources à eux pour réaliser projet, pour réaliser rêve. Donc passer à l'action. Menez-nous à la première question, nous. Qui est-ce qui un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est un monde qui passe à l'action. Un entrepreneur, c'est un monde qui mobilise temps, énergie, ressources humaines et financières pour réaliser un projet sans que li pa gen certitude que projet li a réalisé. Donc c'est ça qui un entrepreneur. Est-ce que tout le monde capable d'un entrepreneur? Oui, tout le monde sans distinction capable d'un entrepreneur. Parce que chaque monde a un potentiel entrepreneurial la kayli. Mais avant tout, faut qu'on apprenne exploiter potentiel entrepreneurial que vous avez la kayli. Est-ce que ça veut dire tout entrepreneur c'est même? Non, tout entrepreneur pas même. Même gens, tout le monde c'est monde, mais tout le monde pas même. Eh bien, dans le monde entrepreneurial, c'est même bagay. Tout entrepreneur c'est entrepreneur, mais tout entrepreneur pas même. Mais dans toute diversité entrepreneuriale ça, yo arrivé distinguer 4 types d'entrepreneurs. Premièrement, gain entrepreneur expert. Entrepreneur expert là, c'est un entrepreneur qui parti de une compétence. Qu'est-ce que ça veut dire? Les créer propre business ou bien propre activité, c'est parce que li connaît. Imaginez un expert comptable, li gain une expertise en comptabilité, li décider ouvrir un cabinet comptable. Donc c'est parce que li connaît qui fait que li ouvre cabinet comptable. Donc deuxième catégorie entrepreneur là, c'est un entrepreneur militant. Entrepreneur militant lui-même lui crée propre activité pal ou bien il crée propre business pal, c'est parce que lui croit dans un bagage, lui croit dans une idée. Donc entrepreneur militant lui-même lui a vive passion, lui a vive ça lui a entreprendre. Et troisième entrepreneur là, c'est entrepreneur opportuniste. Donc c'est un entrepreneur qui voit une idée, il voit qu'il y a un pan de marché, il voit qu'il y a une opportunité, donc lui-même il décide d'exploiter opportunité ça. Mais en pile fois, entrepreneur opportuniste là, il pas durer dans le temps parce que c'est juste une opportunité que il voit que il voulait saisir. Et quatrièmement, il y a un entrepreneur créateur. Un entrepreneur créateur, c'est un entrepreneur qui vive, qui prend plaisir dans créer entreprise, dans créer business. Donc, entrepreneur créateur, là, il est toujours à la tête, les nouveaux défis, nouveaux challenges. Donc, après, entrepreneur créateur, là, il est toujours à chercher nouveaux défis. Ça qui fait à ce que il n'est pas jamais perduré dans le temps avec un entrepreneur. Parmi quatre types d'entrepreneurs, ça, qui est souillé? Est-ce que c'est entrepreneur expert, entrepreneur opportuniste, entrepreneur militant et entrepreneur créateur? Pas oublier écrit en commentaire en bas de vidéo pour dire qui type d'entrepreneur y est. Et même en bas de description vidéo ou abjoindre un test d'évaluation de personnalité qui appelle à ce que ou même ou connaît qui type d'entrepreneur que y est. On connecte ensemble chacun.